Nous sommes en direct aujourd'hui à l'investiture du président Soros. Ça c'est le début ça, de l'investiture, il est déjà 8h, 9h, les gens arrivent, la salle est déjà pleine, donc Stéphane Cissé est déjà sur le terrain, comme toujours. Le combattant, on est là pour le président sur le podium. Vous voyez, la salle est presque pleine. Il est déjà 9h. Voilà, on est là. Tout le monde est là pour la démocratie. Voilà, pour la paix en Côte d'Ivoire. L'investiture du président sur le podium. À Cocody, à Abidjan. Ouais. Ça c'est le début ça, donc on vient à peine d'arriver, à moins 10 minutes, c'est l'organisation. Ouais. Il y a Idara Koulibaly qui est là, dis quelque chose. Draman Koulibaly, ouais. Voilà, je suis activiste plein temps, plein pouvoir, ouais. C'est moi qui fracasse tous les moutons, les ados-moutons sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis également président de la jeunesse pour la promotion des lois de la République. Je suis ici avec plusieurs casquettes pour honorer l'investiture du futur président de la Côte d'Ivoire, en excellence, pour la promotion. Merci à vous. Monsieur Traoré, on vous attend. Voilà, Stéphane Cissé, aujourd'hui, avec M. Traoré, le président des cyberactivistes à Abidjan. Donc, dites quelque chose à la nation ivoirienne. Comme je suis sur le terrain. La nation ivoirienne, c'est que d'abord, je remercie le président Soros Mbafouridon pour son charisme. Je remercie le président Soros Mbafouridon pour son courage, pour sa détermination, pour le fait de mettre à nu un dictateur que nous avons eu hier. Donc je remercie tout Ivoirien, que le bon Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup pour l'interview. Je vous remercie beaucoup. Merci. Le message est passé. Évidemment. Le président. Président. Donc monsieur Cissé, ouais. Merci à vous. Oui. Bon, on est ici. Bon, ok, merci. On vient d'arriver. Voilà. Voilà. L'ensemble de la ouais, je fais le tout. Je fais le tout. Partagez, partagez, partagez. Ce n'est que le début. Partagez, partagez massivement. Stéphane Cissé. Comment ça va? Honorable. Honorable, je suis avec vous. Stéphane Cissé de l'Italie. On s'est déjà. Ah, d'accord. Voilà, dites quelque chose à la nation. Ah, donc, d'accord. C'est une photo? Non, c'est en vidéo. On est là, il y a les députés de la nation. Ouais.
début. Les gens sont là. Une information pour le invité. Bien. Chers membres du GPS, nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir. Parce que d'un moment à l'autre, je pense que la cérémonie va commencer. Nous vous demandons de quitter la même couronne, s'il vous plaît. Si vous connaissez la main droite, asseyez-vous. Je suis en direct. S'il vous plaît. Nous vous demandons de prendre place. La main droite, s'il vous plaît, nous vous demandons de prendre place. S'il vous plaît. Nous demandons au protocole, l'autre côté à la sécurité, et fermer avant cette porte que nous puissions faire asseoir les personnes qui sont à la même porte. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Le président de l'Italie. Alors aujourd'hui, nous sommes à Abidjan pour l'investiture du président Guillaume Soro. Pour la démocratie et la paix. Et nous y arriverons un jour. Voilà, bonne chance à tout le monde. Et la route est la fin du film arrive. Nous demandons à tous ceux qui sont dans la salle. Nous sommes à la paix. Nous sommes à la paix. Président. Je viens vous voir en place. Il est encore important de vous le dire. Parce que aujourd'hui, c'est le jour de notre jour. Le jour de la renaissance du GPS. Celui de Soro qui va venir nous donner, je vous demande de vous ovationner parce que vous êtes très est-ce que vous êtes sûr que c'est l'applaudissement de Soro qui est là? J'ai dit son nom. Alors, c'est le GPS en fait. Bien, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ouais, le mannequin, dis quelque chose. Dis quelque chose. Voilà, c'est ouais, pas bon, tu sais. De grave. Tu sais, le mannequin. On peut empêcher le destin de quelqu'un. Voilà. Ce qui est fait, fait. Voilà. Vous demandez à ce qui c'est le mannequin GPS. C'est le futur président de la Côte d'Ivoire. Il faut t'arrêter là-bas. Il est parmi nous. Je vous ai dit, et d'un moment à l'autre, je pense qu'il est parmi nous. Asseyez-vous, parce que je pense que cette fête-là sera très belle. Merci. Il y a des personnes ici qui n'ont pas dormi depuis hier, parce qu'ils rêvaient à ce moment-là. Partagez. N'est-ce pas? Monsieur. Ok. Bon, on est là aujourd'hui. Voilà, bientôt la salle. Avant l'arrivée de mon collègue. Les gens arrivent. Il y a les imams qui sont là. La démocratie. J'ai juste vous demander les meilleurs imams de vraiment prendre place. Par la commission. Ils aiment la paix, ils sont présents. Ici, il n'y a pas d'imams marmailleurs. C'est l'imam original de l'islam qui sont là, les voilà. Ils ne sont pas dans les barmailles. Voilà, vous les voyez. Voilà, c'est le début. Bientôt, c'est la fin du film. Inch'Allah. Ok. DJ, ben, je pense que la régie va nous faire jouer un son qui nous essayait. Un son GPS. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Dites à la régie, je vous retourne la balle pour un son GPS maintenant et je demande à tous ceux qui sont arrêtés dans la même couronne de bien vous mettre en place. Parce que d'un moment à l'autre, les choses seront commencées. Merci. Donc, voilà, vous voyez, les présents sont là, on allait débuter.
Ouais, dites quelque chose, chef, à la nation. Comment tu vas? Ça va bien. Quelque chose à la nation? On vous écoute. Non, je n'ai pas les déclarations. Donc ici c'est moi, je suis toujours présent. La vidéo est propre. Voilà, les gens sont assis, tout le monde est là. Les gens seront et la fin de la démocratie. Les Ivoiriens sont là. La paix. Non, attends. Ouais, merci, le président Soro. Bientôt, Inch'Allah, il sera président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, je pense que c'est là. Pour vous informer. Donc, c'est le matin. On est, tout le monde est là. En tout cas, on est là. Les femmes, ça c'est les femmes africaines, les Ivoiriennes. Voilà. Ça c'est les femmes africaines, la femme ivoirienne 100%. Ça c'est la Côte d'Ivoire qui est là, les femmes ivoiriennes. Stéphane Cissé, l'investiture du président Guillaume, je suis toujours ici, un combattant plein, toujours au rendez-vous. Voilà. Toujours au rendez-vous. Voilà la salle. Stéphane Cissé, il est présent, pour le président Guillaume Soro, on est tranquille, ici il n'y a pas de sardines, il n'y a pas de pain, c'est les œuvres ivoiriens qui sont là, voilà, la Côte d'Ivoire, on est tranquille, il n'y a pas de sardines, vous voyez, dites quelque chose à la Côte d'Ivoire, madame, s'il vous plaît. Partager. Voilà, ça c'est l'investiture du président Soro à Abidjan. Voilà, je suis en direct. Ouais, pour le président Soro. Partager. Merci de moi. Tout le monde est là. Les présidents sont là. Dans ce bruit là. Il n'y a pas pour moi. Ah mais là c'est bien. Là, il faut continuer comme ça. Hein. La voix de la réduction.
C'est la fin du film. Bientôt, Inch'Allah. Stéphane Cissé est toujours là pour vous informer. Ici, on parle de la démocratie, de la paix. On parle de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ici, on parle du président Soro Diop. Ici, on parle de la nouvelle génération. Voilà. Ici, on parle de la patriotisme. Nous demandons la sécurité de bien vouloir demander à toutes les personnes qui ne sont pas arrêtées dans les armes, dans les allées, de bien vouloir prendre place. S'il vous plaît. Il est encore important de vous demander de vous asseoir, chers membres du GPS, afin que nous puissions commencer cette cérémonie que vous avez attendue si longtemps et si longuement. Nous demandons encore aux personnes qui sont dans les allées de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Voilà le boss. Nous souhaiterons que vous quittez la même courante, s'il vous plaît. On est là. Partagez, partagez, partagez. Voilà, la sécurité, c'est le travail de l'Université. Voilà, on travaille pour le président Guillaume Soro. Il est là aussi pour le peuple. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est au rendez-vous. Le fan du est au rendez-vous. Donc, chers Ivoiriens, bientôt c'est la fin du film. La démocratie et la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Nous demandons encore. Nous voulons la liberté. Nous allons prendre place. Partagez. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Voilà les femmes ivoiriennes. Elles sont là, deux mamans. Voilà. La maman Arasta. Voilà. Dit qu'elle est sur la nation. Nous sommes prêts pour Soro aujourd'hui. Voilà. Prêts pour lui demain. Nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir. Merci maman. Vous avez entendu, Soro ou rien. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Vous voyez, partagez. Ici là, c'est Soro ou rien. Ici, on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. On ne parle pas de Sardine. On dit Côte d'Ivoire. Ici, c'est pas pour dire frère, sœur. Non, non, non. Côte d'Ivoire. Voilà. Okay. Démocratie et liberté d'expression. Vous savez. Quand nous sommes
Nous vous demandons de bien vouloir porter vos cacheries, mesdames et messieurs. Il est pas important de vous demander d'avoir sur vous vos cacheries et de les porter. Encore les cacheries sont importantes dans cette salle. Nous vous demandons de bien vouloir porter vos cacheries. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais lui-même il dit la merci de la police. Voilà pour moi ici, bien porté. Partagez. Portez vos cachetés, s'il vous plaît. Je suis avec le président Sanogo. Dis quelque chose. Ah, bonjour, c'est vrai. Ça va? Ouais, je vous écoute. Ouais, non, non, nous sommes là pour le monsieur le président. Sanogo. Ouais. Je suis la présidente de la délégation. Mais le soir que je porte ma cachetée, voilà, pour le soutien. Pour le soutien au président. Pour vous m'entendez. Mais là, il y a le dessin de tout petit peu. Mais il est important que vous portiez déjà vos cachetés. Merci, président. Question de base. Pour question de Soro Kouba Poligno. Celui-là même. Dis quelque chose, tu es journaliste, non? Qui se voit de garant pour ce peuple ivoirien. Celui-là même. Il y a toujours des prières, la réconciliation et la paix. Celui-là même, qui veut continuer de crier la paix, Soro Kibafori Guio. Oui, c'est de cela, et de ce celui-là qu'il s'agit. Raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Des personnes sont quittées à Bokanda, des personnes sont quittées à Daloa, des personnes sont quittées à Sempra, des personnes sont quittées dans toute la Côte d'Ivoire. Ne serait-ce qu'une seule personne pour venir représenter la contrée. Il est important. Je vous demande de vous applaudir parce que vous êtes très braves et je vous dis encore merci d'être venu. Oui, c'est le GPS Savage. Nous faisons la politique autrement. C'est ce qui a été prôné et demandé par le Dieu autrement. La politique autrement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Je l'étais encore arrivé. Traoré, mettez-vous. Le président des cibles de la police, qui a encore la salle, qui a parlé de lui. Pardon. Ouais. Ils sont là, la jeunesse ivoirienne. Salut. Comme je le disais avant, si c'est mon peuple ivoirien. Je vais encore parler de ce que tu vas vous dire. Il sera là tout à l'heure. Ils sont là. Le doyen est là aussi, pour la paix. Vous voyez, il est fatigué. Merci à la galaxie parce que vous êtes ici présent ce matin. Vous voulez la paix ou non? Je suis Titan Mamba. Merci à moi, en bas, d'où? En Mamba. Merci à vous. Vous êtes là pour faire quoi? Il est là, je vais le voir. Comme le président. En plus, merci. Comme je le disais, il est important de porter les cachets pour question de marge. Le président. Oui. Pour le vrai changement. Même si certaines personnes nous ont dit qu'ils sont fous du Covid, mais nous, en fait, nous sommes dans le Covid. Portons nos cachets, il est important. Ok. Que la jeunesse profite des ressources ouais. de la Côte d'Ivoire, pas des profits personnels. Que l'amour de la Côte d'Ivoire ne soit pas dans la bouche des individus. Que ça soit distribué aux Ivoiriens. Nous voulons le vrai changement. Et c'est Soro qui est la seule personne à faire ce changement, à faire l'union, pardonner. Depuis longtemps, il ne fait que prôner la paix, le pardon. Et nous sommes là pour ça. La jeunesse est là pour ça. Nous sommes prêts pour tout. Merci. Vous voulez dire qu'il y a eu la relation? Oui. Voilà, on vous écoute. Je suis M. Diolo, oui. Coordinateur de Sangon. Coordinateur
De Sangon. De Sangon. Allez-y. Donc, la nation vous écoute. Oui, il y a le président qui est là, il vous écoute. Donc, ils sont venus à son investiture. Oui. Et comme Dieu fait chaque chose à son temps, oui. Pour nous, c'est son temps qui est arrivé de venir diriger la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix, la stabilité et la sécurité pour les Ivoiriens. On a tant souffert, donc on l'attend impatiemment. Que Dieu lui accorde la santé. Et qui viennent être le président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci le boss. Voilà, je vous écoute. Il y a le président qui vous écoute. Nous sommes dimanche 13 septembre, exactement. Et c'est pas de la rigolade, il vous écoute. Hein. Voilà, allons-y. Et dit, nous sommes là aujourd'hui dimanche 13 septembre, oui. Exactement à 9h, pour la convention d'investiture du candidat naturel de la Côte d'Ivoire, oui. Le leader générationnel, Diome Boubafori Soro. Il est pour nous notre fétiche, il est pour nous notre espoir, et nous sommes venus aujourd'hui pour la fête, pour annoncer, n'est-ce pas, pour commencer déjà la campagne, annoncer déjà sa présence sur la terre de ses ancêtres. Diome Boubafori Soro est le candidat de la Réconciliation nationale. Et il est le candidat du pardon, il est le candidat même, il est l'alternative crédible hein, pour cette élection présidentielle de 2020. Et avec Diome Boubafori Soro, c'est l'espoir. Et nous sommes là ce matin pour l'accompagner. Nous sommes là pour lui témoigner notre soutien. Nous sommes là ce matin pour lui dire qu'on est ensemble jusqu'à la gare. Merci. Voilà les femmes ivoiriennes. Elles sont là, notre maman. Vous voulez dire quelque chose à la nation? Non. Voilà. Là, c'est la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire, la nouvelle génération. Tout le monde est là, vous voyez. Et le président se revient. Il est là, partagé, partagé, partagé. Stéphane Cissé est sur le terrain, comme d'habitude. Le vice-président infatigable. Ouais. Je ne fatigue jamais, je suis un commandant. Vous voyez, le travail fait. Voilà. La salle est pleine, elle est bourrée. Il n'y a pas de place. Tout le monde est là. Partagez, partagez. Voilà la femme africaine, la Côte d'Ivoire, la démocratie. Bientôt, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne avec le président Soro. Je vous écoute, monsieur. Il y a le président Soro qui vous écoute. Dites quelque chose à la nation. Je suis le coordinateur sous-préfectoral de Blablu dans le département de Biakouma. Oui. Je me suis déplacé jusqu'à ici pour la victoire du président Soro. Parce que je suis convaincu qu'au soir du 31 octobre, c'est lui qui sera au pouvoir. Et je suis sûr que, avec tel que je le connais, c'est un homme de paix, c'est un homme de parole. Et avec lui, la Côte d'Ivoire va gagner. Va réconcilier. Tous ses fils seront réconciliés. Et vraiment, que le partager, président soit confiant. Faudrait que le président soit confiant. Comment? Je vous écoute. Il faudrait que le président soit confiant. Nous sommes là pour lui. Nous sommes tous déplacés pour lui, pour sa victoire. La Côte d'Ivoire est là pour lui. Merci. Merci. Ouais, ça c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Guillaume Soro. Voilà, on est
voilà, c'est la fête. On est là jusqu'à la gare pour le président Soro. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Les groupes, les hip-hops. Voilà, on est là pour la démocratie, pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour le Soro, le président Soro Guillaume. Le président Soro Guillaume. Le petit président de la Côte d'Ivoire. Le Kenny Banani. Lui-même. Voilà, le staff. On est là. Le Kenny Banani. Soro Guillaume. IKS. Qui présente la Côte d'Ivoire. On est là pour la liberté, pour la démocratie, pour la paix. Libérer nos femmes, les prisonniers. Voilà. Nous, on veut la démocratie. Ici, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de salut. On est poli, il n'y a pas d'armes ici. Voilà, c'est la jeunesse. Vous voyez? La communication. Vous voyez là? Hussein Kwame. On dit le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Partagez, partagez, partagez. Vous voulez dire des choses à la nation? Vous voulez parler à la nation? Il dit non, il n'est pas prêt. C'est qui bien ce là? On est là pour la paix, pour la démocratie. Et aussi on se rend même en personne. Nous sommes avec vous et vraiment on aimerait vous voir. Voilà, on attend votre arrivée, on veut vous voir. Parce qu'on sait que vous serez président et vous irez à vous. Merci président. Je vous remercie. Il a attendu. Ah, et vous, maman. C'est bon, bonjour président, je suis Konaté Sié Diakaridia, président national de la jeunesse pour le Congrès national des Soros. Vraiment, nous sommes pleins d'espoir à porter votre candidature. Vraiment, nous attendons seulement votre présence. Je vais vous demander à tous ceux qui sont à la main courante de bien vous rendre en place, s'il vous plaît. La main courante à partir de la porte, s'il vous plaît. Et tous ceux qui sont dans les allées, nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir. Nous demandons à tous ces civils activistes, nous vous demandons et nous vous disons déjà merci d'être venus et d'être à la tâche avec le président Traoré Moutoumbou. Il ne cesse de donner le port. Ouais, vous voyez, partagez. La salle est pleine, il n'y a plus de place. Voilà. Vous voyez, c'est bien comme pour le fou là. Parce qu'ils sont seuls. Parce qu'ils sont un. Ils sont arrivés sans même se prononcer. Ils sont arrivés sans tambour. Ils sont arrivés sans fanfare. Mais ils sont assis dans la salle.
tout ça, l'amour du GPS, tout ça, pour l'amour de Soro qui va fleurir Dio, l'amour des amis à leur partie. Aujourd'hui, nous sommes au GPS, nous dévorons au GPS et nous allons mourir au GPS. Ça, c'est la vérité. GPS. Oui. Nous demandons à la main courante de bien vouloir. Oui. De bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, je vais m'asseoir un peu. Je suis fatigué. Nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Ok. Depuis la France, il est arrivé. Le mannequin de Soro favori Guillaume, il est aussi dans la salle. Oui. Merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement de là où vous venez d'exister. Je dirais d'Abengourou, de Bokana, de Daloa, de Sempra, de Gagnoa, de Yamsoukro, de Mouaké, de Neuve-France et tout. Mais je crois que toute la Côte d'Ivoire ici est représentée ce matin. Je vous demande de vous applaudir encore parce que vous êtes là et vous êtes formidables. Merci. Merci aux guides religieux, à les membres de l'OTAN et sa délégation qui sont ici présents. Tu parles en même temps. Aux guides religieux chrétiens, musulmans, ils sont tous là ce matin pour honorer nos chers compatriotes. Ils sont bel et bien là, ouais, avec telle belle côte. Honoré de leur présence ici. Pour la cause. Le leader générationnel, c'est lui qui peut ramener la paix en Côte d'Ivoire. C'est lui par qui je crois que les exilés peuvent rentrer au pays. C'est lui de par qui les opinions pourront retrouver la liberté. Nous sommes allés pour le dépôt de la candidature. Au péril de sa vie. De son excellent Soro Favori Guillaume. Il est allé lutter contre son peuple. Il y a des personnes qui sont assises dans cette salle qui n'y croiraient pas. La démocratie, frère. Il y a des personnes qui se sont dit est-ce une réalité de savoir que cette candidature peut être déposée à la CEI? Ce n'est pas la CEDEAO, c'est nous-mêmes qui pouvons. La candidature a été déposée. Le volume encore. La candidature a été déposée. La candidature de son excellence, Soro Favori Guillaume, a été déposée et sera validée. Voilà. Ouais, la candidature est déposée. C'est de ça il s'agit ce matin. La validité bientôt. Et les gens se sont déplacés. Pour la véracité des faits, ils sont venus. A été déposée. Est-ce que c'est vrai qu'il va faire l'investiture? Est-ce que c'est vrai que les gens vont se déplacer? Est-ce que c'est vrai que les hommes seront là? Est-ce que c'est vrai que les femmes seront là? Mais vous êtes où? Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas là. Je vous écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Le présent. Oui. Du prochain président de la Côte d'Ivoire, son excellence Soro Kibafouri Guillaume. On l'a dit,
on allait faire le plein de cette salle-là. Il s'agit aujourd'hui d'une convention d'investiture. Donc on ne peut qu'inviter les responsables du parti politique, les dirigeants des mouvements et partis politiques. Le président Sorokoso arrive en Côte d'Ivoire très bientôt. Et nous allons faire le plein de ces... La fête est bonne. Voilà, le bon est là. Le film est bon. Voilà, asseyez-vous. Ça, c'est pour le président Sorokoso. Là, les députés, tout le monde est présent aujourd'hui. Voilà. Tout le monde est présent. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà le boss. Merci Didier.